C'est un retour à l'origine des costumes nationaux, ce tome un peu bohémien, Dreamers. C'est très important de remixer les choses avec une perspective plus créative. Je pense que c'est important maintenant la créativité comme un signe de futur, d'espérance, pour regarder à quelque chose de nouveau. La collection s'ouvre avec de blanc, qui est quelque chose de très inusuel pour l'homme, comme un signe d'innovation. Et après, il retrouve les couleurs de l'homme, c'est-à-dire les noirs, les bordeaux, les verts, toute cette couleur qui appartient dans les roots, dans les racines de la tradition masculine. L'approche était de remixer les choses, par exemple, un trench avec un bomber dans les mêmes choses, réinventer un peu, si tu veux, l'approche masculine dans quelque chose de possible, mais extrêmement innovatif. Il y a de cuir avec les manches mailles, il a un tissu plus classique avec quelque chose de plus sportif. Il y a les mélanges dans tous les sens, il y a dans les pièces, mais aussi dans les tissus. Quelquefois, je pense que c'est très important les détails. L'homme, il peut être classique, avec une chaussure un peu dégagée, il change complètement. Donc, je pense que les détails, c'est une très forte influence de cette collection.